Bonjour et bienvenue sur Disney Récré en français. Aujourd'hui, nous allons jouer avec ce jeu de pâte à modeler Play-Doh, Ensemble Château Magique de la Princesse Aurore. Donc, voici le devant de la boîte. Et voici le dos de la boîte. On va pouvoir faire un château avec de la pâte scintillante. Un château magique et féerique, digne de la princesse Aurore. Donc voici l'ensemble du château qui est déballé. On va d'abord assembler le balcon et la tour comme ceci sur la base. Ce kit comprend trois grandes parties, les deux tours, le pont et la base. Il y a également quatre pots de pâte à modeler, rose, verte, jaune et mauve, dont deux sont à pâte scintillante. Donc voici notre princesse Aurore. C'est une poupée Mix and Match, elle fait partie de cette collection. Et voici le bas de sa robe. Et on peut la clipper comme ceci. Voici le moule à gâteau. Deux toits des tours. Et le bas de son autre robe. Et il suffit de la clipper comme ceci. C'est très facile. Voici les principales poupées qui font partie de cette collection. Il y a Ariel avec son château souterrain, Aurore, il y a Réponse avec sa tour et Belle avec son château fleuri. Toutes ces poupées de la collection Mix and Match peuvent s'échanger leurs robes. Et voilà, Aurore dans la robe de Belle et Belle dans la robe d'Aurore, qui leur vont très très bien. On va commencer par faire la première robe avec du rose et du bleu. Et on va utiliser ce bas. Nous allons maintenant lui ajouter quelques accessoires, des rubans et des fleurs. Voici un beau ruban pour sa taille. Et voici une fleur. Et on va lui ajouter un petit rond bleu. Et voilà. On va également faire le sceptre d'Aurore en utilisant les deux couleurs. Et voilà. Et finalement, son sac à main. Il est temps maintenant d'agrémenter sa robe de tous ses accessoires.
Et voici la première robe de la princesse Aurore, qui est très très jolie, avec toutes ses fleurs et ses rubans. Nous allons maintenant faire les fées, dont les moulages sont sur le pont-levis qui sert de piston. Et voici la première. En voici une autre en jaune. Et pour la dernière, on va mélanger les deux couleurs. Et voilà. Et maintenant, il est temps de décorer ce magnifique et somptueux château. Et voilà le somptueux et magique palais de la princesse Aurore, aux couleurs merveilleuses qui vont de pair avec sa robe magnifique. Il est temps maintenant de lui faire sa deuxième robe. Et nous allons utiliser principalement la pâte scintillante bleue. Pour décorer cette robe, nous allons utiliser ces petits cœurs jaunes. Et aussi ce pot nœud bleu. Nous allons également lui rajouter des fleurs. Et voilà, la belle robe d'Aurore est prête. Il est temps maintenant de faire les bougies de son gâteau et on va utiliser deux couleurs, le rose au milieu et le bleu par-dessus. Voilà, les bougies sont prêtes. Il suffit maintenant de finir la décoration. Et voilà, le joli gâteau d'Aurore est prêt. Derrière le château, il y a d'autres moulages que l'on peut faire. Voici le rouet qui a plongé la princesse dans un sommeil de 100 ans. Voilà son panier, le petit oiseau avec qui elle chante et le hibou. Et voici l'ensemble de nos créations, le château magnifique aux belles couleurs d'Aurore, rose, bleu et jaune.
son gâteau, le pont-levis, avec les moulages que nous avons créés, sa robe magnifique, et bien sûr, ce château splendide. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Disney Récré en français.